Oui, après l'attentat de Khadera, au cours duquel des soldats du corps des gardes frontières ont été tués, il s'est félicité sur un WhatsApp interne à sa classe. Il a dit que les terroristes étaient bénis et on a fait l'éloge. Il y avait des étudiants sur ce groupe WhatsApp qui ont été blessés et cela a créé un scandale au sein de la classe. Dès le lendemain, nous avons enquêté et après avoir pris connaissance des détails, j'ai remis la plainte à la police. La police a décidé de ne pas interpeller l'étudiant, mais nous avons transféré cette plainte à la commission de discipline qui a en fin de compte décidé d'écarter l'étudiant de notre établissement. Est-ce qu'il a exprimé des remords depuis ces propos qu'il avait tenus ou est-ce qu'au contraire il est resté sur cette ligne de saluer cet attentat ? Lors de l'audience devant la commission de discipline, il a regretté ses propos. Il a dit qu'il fêtait le jour de l'indépendance, ce qui n'a rien à voir. Il y a eu beaucoup de temps pour penser à ses regrets et la commission de discipline, qui a tout pouvoir, a décidé de l'écarter et donc je soutiens sa décision. Est-ce que vous souhaiteriez que ce soit une norme finalement dans les universités en Israël et que ceux qui encouragent la violence soient comme cela écartés du monde universitaire ? Je ne peux m'exprimer qu'au nom du Collège universitaire de Tzfat. En tant que citoyen, je serais heureux que ce soit le cas. Chez nous, la direction de l'établissement a décidé d'être très dure face à ceux qui soutiennent le terrorisme.